venen aka shunung ye ombo te aka shotum yale tsotsma lots of ga. Écoutez la chanson de Defo premier Chokwa. Écoutez la chanson de Defo premier Chokwa. Oh la voiture que quelqu'un pouvait se battre avec. 100 kilos, ça prend 18 000. Aïcha, Jansan, un verre d'eau là, pardon. Un verre d'eau. Il n'y en a pas. L'eau à boire. Il n'y en a pas, j'ai dit. On a puisé l'eau hier, non? Qui a puisé? Attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te serve l'eau, c'est ça? Oui. En tant que ta femme. Tu es ma femme, tu dis donne-moi l'eau. Tu dis il n'y a pas. Nous sommes mariés. Marié dans quel sens? Quel genre de mariage? Ce que tu es venu raconter à mon papa, tu lui es belle avec tout tes tas de mensonges. Qui t'a menti? Donc tu as mis je m'en coupe vanille quoi? Je suis un enfant. Je suis fatiguée. Mon papa, lui t'a accepté en tant que celui-là qui fera pour ses mascottes de la canne. Tu vas aller représenter le Cameroun aux États-Unis. Je sais ses cultures de quoi, je sais pas trop. Homme politique au vol, tout ça c'est toi. Et dans toutes ces promesses-là, qu'est-ce que tu m'as rapporté? Tu n'as pas pitié? Il t'avait dit que je devais être mascotte à la CAN. Et c'est toi qui as tué ça. Le pays-ci, il faut être tué dans tous les temps. Donc tu MLS, ta manche, le RDP, c'est tué dedans. MLS, c'est tué dedans. PCRN, tu es là. Mais c'est toi qui as trahi mon secret. Que parmi les trois camps, j'ai été dans aucun camp. Moi, depuis des années, je fonctionne avec tous les partis politiques. Partout où il y a un truc, je suis dedans. Depuis qu'on est ensemble là, c'est toi qui as tout tué. Et ne me fais pas lever les nerfs. Je devais représenter le Cameroun aux États-Unis pour une affaire de culture. Et c'est parmi tous ces partis là, c'est un parti politique qui devait m'envoyer. Oui? Je devais être un homme politique au vol. J'appelle même ça un politicien ambulant. Parce que dans tous les partis politiques, j'ai un rôle à jouer. Et c'est comme ça le Cameroun. C'est nous, n'est pas nous qui allons changer. Tous les hommes politiques qui réussissent là, ils ont joué, ils n'ont pas joué. Ils ont fait presque tous les partis. Pourquoi pas moi? Je te rappelle ceci. Je suis fatiguée de supporter ton irresponsabilité. Éclat de voix par-ci par-là, c'est toi. Tu te prends pour qui? Je suis allée, regarde, aujourd'hui, je suis incapable de me tenir devant mon papa.
L'homme qui est venu lui raconter les conneries, il est même capable de rationner sa fille, s'il pouvait s'en rendre compte. Et jusqu'ici, je masque. Mon merci, c'est quoi? Je suis partie, tu dis que j'ai raconté, j'ai fait quoi, c'est quoi, comment? Méfie-toi. Il dit, méfie-toi de moi. Hein? Dans ce match, qu'est-ce que toi, tu as fait? Ta famille a contribué? Hein? Mon papa, ils ont tout fait. Même quand ils venaient seulement aider la belle famille à préparer. Tu n'as pas de soeur ou bien de frère. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que je vis ici, parce que tu dis que c'est la maison de ton père. C'est pas parce que je vis dans la maison de ton père que tu dois me parler n'importe comment. C'est quand on se marie que le père a offert ça comme Monsieur, cadeau. Stop. Tout ce que tu sais faire, c'est de fumer la cigarette. Tu lis ta presse et puis tu fumes tes... Tu bois quoi, je sais pas, tes sachets en désordre. Un homme qui n'est pas informé n'est pas un homme. C'est un mort vivant. Et je lis la presse là parce qu'à tout moment, mon nom peut sortir là. J'ai même comme impression qu'on a demandé aux gens de lire peut-être ma nomination et que la chaîne, l'intelligence de Téléboule. Maintenant, dans la presse, je peux retrouver mon nom. Tu es fier de raconter partout que j'ai une belle femme. Ma femme, c'est ci, ma femme, c'est ça. Tu sais comment peut être allé à une femme? Tu sais comment nourrir une femme? Tu peux habiller une femme? Qu'est-ce que tu sais faire? Ça veut dire que l'habillement maintenant dépasse même le mariage. Quand toi tu me regardes, tu penses que je m'habille à combien? C'est l'intérieur qui est le plus important, hein? Non, fais-moi quelque chose là, fais-moi quelque chose. Voilà, moi je te dis, hein, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ta chevelure là, je te dis la dernière fois quand j'allais au Brésil, j'allais tout ça. La prochaine fois, dès que je vais aller là, je te ramène des jolies mèches. Les mèches centrafricaines, même quand je vais en Afrique du Sud, au Libéria, partout là, je t'apporte des mèches. Là. Tu ne vas plus rester avec la chevelure au vent comme ça. Tu sais qu'on a investi, le papa a investi près de 100 millions la dernière fois pour une boutique de mèches, tout ça. C'est juste qu'on a confié à un gars du quartier là, quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, il a fait chuter. Hey. Hein? Heureusement que j'avais dit à papa d'investir, de ne pas investir. Il voulait mettre des milliards. J'ai dit non, ne met pas plus de 100 millions. Parce que s'il met des milliards là, il n'a aucune expérience en gestion des millions, il peut faire chuter ça. Et j'avais bien vu. D'ailleurs, ce que je peux avoir comme souvenir de toi, comme bon souvenir, c'était les photos du mariage et des vidéos. Jusqu'ici, rien. Tu me parles de ton frère. Où sont ces photos? Il est en train de traiter. Tu vois que tout ce qui est de ton côté là, c'est moi. Il traite les photos. Ah, et avec les techniciens, on ne les brutalise pas. Mon ami, je suis fatiguée. Hein? Je suis fatiguée. D'ailleurs, je suis en train de sortir. Allô? Ok. À quel niveau? Abby, ok, tout à l'heure. Donc quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de vie. On va voir. Tu vas où avec le sac? Tu vas où? Tu fermes la porte et je suis à la maison. J'ai rangé tous tes effets là. Je t'ai dit que je vais sortir. Je veux pas savoir si tu veux sortir ou pas. J'ai rangé tous tes effets. Je te rappelle que cette maison, c'est le cadeau de notre mariage, offert par ton père. Tu parles de mon papa. Non, c'est ça nous appartient, c'est notre maison. Tu prends trop la tête. Ce qui appartient à mon papa m'appartient moi. Et non à nous deux. Ça, c'est ma maison et non ta maison. D'ailleurs, je suis fatiguée de te voir ici. Tu vas encore avoir 2% de chance dans cette maison. À mon retour, tu me montres les photos et les vidéos. Au cas contraire, tu dégages. Fatiguée. Ça va pas finir comme ça. Et t'es même. Les habits que notre service m'a offert, Kenda, les costumes, que Kenda, Franklin Kenda, les chaussures que Pekka m'a donné, c'est honte, c'est tout ça. Ça ne va pas finir comme ça. Dis-moi, tu voulais faire quoi dans la vie en fait? Quels sont tes projets?
T'as envie de faire un grand salon de coiffure fashion. Comment tu veux travailler pour un salon de coiffure? Moi, je t'ouvre un salon de coiffure. Tu vois, on y met tout. Du bling bling, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et climatisé. C'est quoi? Mon frère, c'est l'affaire des photos là. Et les vidéos. La femme m'a chauffé ce matin, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a depuis près d'un an? Tu ne fais que me réclamer les photos. Hein? Tu es sans ignorer le deal que nous avons passé. C'est pas toi qui m'avais remis la caméra. Il y avait les piles à l'intérieur, il y a même la carte mémoire, il y avait. Et l'argent qu'on a donné, tu as même pris la grande partie. Et tu viens aujourd'hui me réclamer les photos, je vais faire comment? Mon frère, je savais que la photo, c'est quoi? Jusqu'à la femme fait des problèmes pour les photos et les vidéos. Mais non, moi, ta sorcellerie là, pardon, ne me mets pas dedans. Ne me mets pas dedans. Le deal était quoi? Est-ce que j'avais les photos à remettre? Maintenant, tu viens là, tu me trouves dans la stricte intimité, je suis là avec ma femme et tu me parles des photos. Tu veux créer les photos? Tu veux que je dessine? Que je fasse quoi? De la peinture? Tu veux quoi? Je me dis que peut-être dans le cafouillage, tu as peut-être filmé un truc, même une photo avec le téléphone ou une vidéo. Ah, donc tu voulais que par un miracle, là, par un coup de magie de sorcellerie, la caméra commence à enregistrer les photos, c'est ça? Hein? Ada, j'ai un gong gagé tout le vite quoi. L'âme du machin avait fait boum sur quelqu'un sans munitions dedans. C'est dans ce sens-là. Kati, on a dans Gonga, colloque de dire, celui-même qui empêche l'autre de dormir, lui-même ne dort pas. Tu veux que je fasse quoi? Non, dis-moi, invente, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Comment vas-tu l'expliquer? Toi, si tu es terrible, hein? Tu es terrible. Donc, je m'en vais expliquer qu'il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien, il y avait tout ceci, je m'explique. Essaye de m'envoyer en prison. Dis donc, dis qu'elle est patiente. Que le disque dure. À planter et il faut un formateur pour récupérer les photos et les vidéos dedans et entre temps je vais calmer toi. Finalement je te comprends pas. Moi je suis en pleine intimité là, je suis en train de causer avec ma femme, tu viens me perturber avec les affaires des caméras, des photos, des mariages et tout ceci. Tu as pris l'argent des photos, tu as pris l'argent même des piles, tu as pris l'argent de la carte mémoire. J'arrive là, tu me demandes de rester devant les gens, faire une simulation. Tu voulais encore que je prenne les photos où? Allons, tu essaies, on respecte, pardon. Et maintenant, tu veux que je marche comment pour arriver là? Tu sais, avec ton quartier poussiéreux là. Non, on marche en cherchant la moto. Ah, je marche? Non, tu n'as pas prévu de véhicule là que je peux prendre. Mon frère, il s'agit là des problèmes. Ce n'est pas les nyangas qu'on peut faire. Tu peux pas m'aider. Tu attends, je. Tu es venu pour les affaires de photos, tu es venu boire ma bière. Mon frère, c'est dans le but de vous donner un coup de main. Non, moi je vais remettre ça au comptoir. Serveuse là. Pour une bière, tu changes pour la boisson. La bière c'est quoi jusqu'à tu portes, tu veux changer pour récupérer l'argent. Tu es mon frère, tu es mon propre frère, tu es mon sang. Et si j'ai voulu même faire ce geste, c'est faciliter qu'on aille vite, qu'on coupe rapidement et on part. Donc je... C'est malheureux, hein. C'est quelqu'un qui m'a assez son travail. C'est mon frère. Hein. C'est juste que. Bon. Bois ça. Ça chauffe. Et tu connais la tension des femmes. Ça monte, ça ne descend jamais. Donc, pardon, allons. Allons. Bon, je reviens avec la bouteille, hein, pardon. Eh bien, tu m'attends. Tu jettes un coup d'œil sur moi. Mais dans les problèmes tous les jours. Chaque fois, on ne joue pas avec la nourriture. Chaque fois, la consommation est sacrée. Chaque fois.
faut gaiser le cruchot. Chakwa, chakwa. Ya, chakwa, je parle de la souris. Waouh, jolie ta maison. Merci. Monsieur n'a même pas pris son sac. T'as tout ça là? Ouais. Toi aussi, tu attendais quoi pour le faux de Dior depuis tout ce temps? T'inquiète, je lui ai donné sans aider, je ne t'ai pas porté dans cette maison. Un gros type sale, regarde son ventre. Tu fais même comment pour l'embrasser? Mais c'est une longue histoire. D'ailleurs, c'est pas la nouvelle dont je voulais t'annoncer. Il vient de signer à Bambitos de Bouddha. Comme Samuel Eto'o est le nouveau président de la FIFA Foot. J'espère que les choses vont changer. Mais s'il te plaît, je veux pas. Dis-moi, tu es en train de rêver ou quoi? J'ai l'aide de quelqu'un qui blague. Je viens te dire, j'ai signé à Bambitos de Bouddha. Oh! Le Seigneur est merveilleux. Bah c'est pas toi. Il y a Paris Saint-Germain et Nantes là qui me sollicitent également. Donc si par malheur ça aboutit, nous allons voyager. Ça va. As-tu un passeport? D'ailleurs même sans passeport nous allons voyager. Hein? C'est vraiment formidable. Ça va, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Comme tu as pu chasser ce coupeau là, c'est bon. Je parle de la souris, ma langue va me léguer. Tu fais garder mon modèle. En plus, tu prends ma bière. Tu as la chance qu'elle était là. Sinon, la bière là, tu touchais pas ça. Donc, ton problème, c'est la boisson. La bière, c'est quoi? D'abord, tu n'y as même non long. Tu me personnes pour une affaire de boisson. C'est moi! Tu m'en quoi? Tu as dit que tu veux les photos et les vidéos, non? Oui. Baptiste, celui qui avait filmé. Il a les photos et les vidéos. Non, le disque dur avait eu les problèmes quand Eneo a coupé la lumière là. Depuis là, maintenant, on est dans la récupération. Et comme le disque dur récupère une photo par semaine là, tu vas avoir près de 1000 photos qu'on avait prises. Ça qui me prend un peu le temps comme ça là. Depuis là. Mais bientôt quand même, ça va finir. Je te ramène les photos. J'ai besoin des explications. Tu n'as pas apporté ton sac et des alliés. Chez moi, le camp. Je te rappelle que cette maison, ton père nous a offert ça comme cadeau de mariage. Et ça nous appartient, c'est pas ta maison. Je n'ai plus besoin des explications. Tu n'as pas apporté ton sac et des alliés. Chez moi, le camp. Et comme je parle, tu te trouves encore le sommeil dans cette maison. Change mon nom. Porte le sac si on va. Tu es fou dans ta tête, tu es malade, ça ne va pas. Tu bois ma bière, je porte encore le sac. Tu comme tu es fou. Je suis dans les problèmes. Ah, tu n'avais pas accepté ça, c'est que tu vas dans ce pétain. On peut dire à Kabou, tu l'aimes. Yahoo Valitio, Sakise, Chapo, Wala Zule.